Campagne présidentielle du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapwe. Les étapes se bousculent avec une ferveur renouvelée à chaque fois. Le jeudi 23 novembre 2023, l'artillerie du chairman a pointé vers le territoire de Mahagi en Ituri, lieu que personne du haut sommet de l'État n'a visité depuis des années dont on ne se souvient plus. Le numéro 3, c'est qu'il est le véritable candidat de Congolais, de tous les Congolais, et a décidé d'aller les rencontrer tous chez eux. Ce qui devrait arriver arrive à la population en surnombre, a fait trembler la terre avec un accueil grandeur nature, toute déchaînée, insorcible. L'homme qui est le bienvenu partout, accompagné de ses alliés, a pris possession des terres de Mahagi. En territoire conquis, le chef coutumier n'a eu d'autre choix que de lui remettre la canne de commandement, celle qu'on ne remet jamais à deux différentes personnes. Il a marché, marché encore, jusqu'au lieu désigné pour le face-à-face avec le peuple. Moïse Katumbi, nous devons le voter. C'est nécessaire à tous les Congos. Il est le seul et l'unique. Dans l'entretemps, c'est tout le Congo qui l'attend, pour la campagne, pour les urnes et pour la victoire finale.